va pas se voiler la face. Hein. Moi, je dis, c'est quoi? Les champions du monde de l'alcool. L'alcool, ça nous amène à être champions du monde pour les accidents de la route. Ça nous amène à être champions du monde sur les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales. Ça nous amène à être champions du monde de consommation d'alcool, tout simplement. Pour parler un petit peu de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et moi, j'ai trouvé quelqu'un d'extrêmement dans l'humilité, qui écoute tout le monde, qui est dans l'empathie, qui cherche à comprendre et à se faire l'opinion la plus juste. Et qui est là aussi très à l'écoute. Et qui ne peut pas faire l'impasse sur ce qui a été dit ici ou là, ou ce qu'il a pu dire ces jours derniers, c'est-à-dire faire l'impasse sur le dialogue. On est dans un pays où le dialogue a du sens, où on se parle, et où même si on ne sait pas parler depuis quelque temps, il faut renouer les fils du dialogue. Voilà. Et il est là pour ça, parce qu'il n'y a qu'à travers le dialogue qu'on va réussir les uns et les autres à trouver une solution. Traitement des enquêtes, nous constatons que les missions de la police municipale sont effectivement déterminantes pour nous permettre d'élucider un certain nombre de faits ou d'atteinte aux biens ou même d'atteinte aux personnes. Donc c'est une convention qui est très pertinente et qui vient de toute façon corroborer un état d'esprit qui est très très important ici, de coopération entre la police municipale et la police nationale, avec l'appui de Madame le maire.